J'ai décidé de quitter les bureaux après une quinzaine, vingtaine d'années dans les bureaux. Et j'ai décidé de retrouver la terre, de retrouver les plants, de regarder les choses pousser. Une bonne alimentation, les jolies fleurs, les fleurs comestibles. Et j'ai fait ce pas et maintenant, c'est même pas un pas, maintenant je cours. Mon problème, parce que j'en avais, c'était de me retrouver à Montpellier il y a 3 ans maintenant, dans un petit appartement dans le centre historique, sans balcon. Et j'ai même presque pas de rebord de fenêtre. Pourtant, c'est dans mon cœur de vouloir cultiver, de vouloir faire pousser des légumes. Et finalement, maintenant j'ai un jardin de 2300 m², mais avec les autres, j'ai pas besoin d'avoir ça que pour moi. Là, maintenant, je vais sur les terrains parce que je suis en conversion vers un nouveau métier. Je suis en installation pour le maraîchage bio à côté de Montpellier. Donc, en agriculture périurbaine, hein, parce que l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est ma passion. Et donc, maintenant, je m'installe sur 1 hectare à côté de Montpellier en maraîchage bio, permaculture et maraîchage. Voilà, donc, mais le déclic est venu ici, à Montpellier. Vraiment, tous les éléments se sont rassemblés pour que, il y avait ce projet, déjà quand je suis arrivée, que j'ai découvert. C'était le bon moment, la personne qui était là avant moi voulait passer le relais. Moi, j'arrive sur la scène, les grands yeux et tout, voilà, je suis contente d'être à Montpellier. Ah bah tiens, il y a un projet, prends-le. Donc, j'ai pris la présidence de l'association il y a 2 ans. Et par la suite, je suis entrée en formation en maraîchage bio pour continuer ce chemin vers une alimentation saine, locale, tout en me donnant la possibilité de mettre mes mains dans la terre. Et là, maintenant, je ne vais pas dans les bureaux, hein, c'est fini les bureaux. Le verger potager partagé fonctionne donc en collectif. Nous avons des permanences 2 fois par semaine. Nous avons des permanences parce que justement, comme l'idée de ce projet, c'est de jardiner ensemble, et ben, personne ne jardine seul. On se retrouve au verger pendant ces permanences. Nous faisons une enquête à chaque changement de saison pour jardiner avec les saisons, pour jardiner avec les disponibilités des différents jardiniers, parce que ça change selon les saisons. Nous nous retrouvons sur le terrain, nous voyons ce qu'il y a à faire, nous décidons ensemble ce qu'on va faire à un certain moment donné. Un coup c'est les semis, un coup c'est l'entretien des arbres fruitiers, parce que nous avons quand même les cerisiers, les abricotiers, les pommiers, les pêchers, amandiers, oliviers, figuiers, pruniers. Nous avons plein d'arbres fruitiers, donc on décide si on va s'occuper des arbres fruitiers ou si on va s'occuper du potager, les tomates, les poireaux et tout ça. Et ben voilà, après on passe 2-3 heures ensemble. Au cœur du projet, il y avait déjà cette démarche de collectivité, de vraiment être collectif, d'une concertation dans les prises de décisions. Quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne sait pas comment planter des betteraves, parce qu'on n'a jamais fait ça, on est tous des citadins, hein, on sort le bouquin de jardinage bio et on dit, bon, quelle distance il faut mettre des betteraves? Bon, il faut savoir qu'on est assez dans une démarche de jardinage bon, assez laissez-faire, assez libre. Nous ne sommes pas, en fait, motivés par le résultat. Nous sommes motivés par le processus, par le chemin pour y arriver. Si jamais on n'est pas d'accord pour certaines choses, oui, moi, je veux mettre les tomates là. Non, je pense qu'on devrait mettre les tomates là. Ça serait mieux là. Eh bien, on fait les deux. Et en fait, une démarche d'expérimentation aussi. Donc, quand nous sommes dans l'expérimentation, quand nous sommes dans cette démarche d'entente, de vivre ensemble, de juste passer des bons moments ensemble, d'apprentissage ensemble, forcément ça va, parce que nous avons l'esprit de s'entendre, d'être harmonieux. Je suis plongée en fait dans tous mes sens en fait quand je suis dans le jardin. Et c'est
Bon, ça m'apporte, c'est thérapeutique en fait. Je suis quelqu'un d'assez speed, d'assez, peut-être parfois assez anxieux. Et en fait, ça me calme énormément. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent dans le verger. Ils ont pu passer une journée de stress, pas très bien dans le bureau. Et plus d'une fois, ils m'ont dit, au bout de 2, 3 heures dans le verger, parce que nous avons des permanentes, on se retrouve ensemble, oh, Chris, c'est fou, quoi. Je suis venue toute stressée et je pars avec le sourire, le bien-être, je me sens détendue. Il y a plein d'initiatives qui existent. Bon, j'en connais, ça a commencé en Angleterre, ce genre d'initiative. Je pense que ça doit commencer à s'étaler en France aussi. De mettre les gens ensemble, c'est-à-dire que les gens qui ont un espace à jardiner, mais qui n'ont pas le temps, eh ben, ils vont laisser les autres qui n'ont pas d'espace venir jardiner cet espace. Bon, il y a un échange, peut-être la personne va récupérer quelques légumes, et les autres, ils vont pouvoir mettre les mains dans la terre. Eh ben, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'espace. Sinon, on peut faire quelque chose comme nous, faire une demande à la mairie. Faire un repérage d'espaces qui sont en friche. Vous savez, les mairies, peut-être à la limite, je pense qu'ils seraient contents qu'il y a des gens en fait, qui veulent s'occuper des espaces qui sont délaissés. Ça leur enlève un peu de travail. Et simplement, nous, dans notre cas, en fait, la mairie nous a laissé cet espace sous condition que ça soit porté par une association. Donc souvent, c'est vrai qu'il faut. Il faut des personnes derrière. Il faut pas juste être dans l'attente que la mairie va déjà nous tout donner et puis après tout entretenir. Et voilà. Donc, les gens qui veulent se lancer dans le jardinage et avoir ce retour à la terre, être plus autonomes dans leur alimentation, dans la source de leur alimentation, surtout en bio. Eh ben, il suffit de demander. Peut-être qu'il faut demander 50 fois, je ne sais pas, parce que nous, ce n'était pas la première demande qu'on a reçue ça. Mais l'idée, c'est qu'on s'approprie la dynamique de faire ça, la dynamique de se regrouper par affinité de lancer quelque chose. Alors, c'est sûr que nous avons. Il y a certaines choses qui sont importantes. Nous avons mis une charte. Ça, c'est important d'avoir une charte qui guide nos actions, notre raison d'être. Nous avons travaillé là-dessus. Mais bon, c'est important que les gens comprennent que bon, on n'a pas besoin d'être expert, on n'a pas besoin d'attendre, d'être dans l'attente que quelque chose nous arrive, qu'un beau jour, on va avoir un jardin partagé dans notre quartier. Eh bien, ça ne viendra pas parce que c'est nous qui animons ça et puis c'est nous qui devons aller à la recherche justement de ça.